5, 4, 3, 2, 1, 0. John Bon Jovi, aîné de trois garçons, est né à Pearson Boy le 2 mars 1962. Passionné de musique, il a la chance d'avoir des parents qui l'encouragent en lui offrant, dès son plus jeune âge, une guitare acoustique. Le jeune chanteur forme avec des amis de lycée un groupe fortement influencé par Bruce Springsteen. Pour gagner son argent de poche, John travaille comme homme à tout faire dans le studio de son cousin. Son salaire est modeste, mais son poste lui donne l'opportunité d'assister aux enregistrements des plus grands, David Bowie, les Rolling Stones et Aerosmith, dont il peut observer à loisir la technique et le professionnalisme. Il a fait partie de plusieurs groupes amateurs, dont The Rest, où il a connu Jack Conti, avec qui il écrivit le hit Runaway. Pensant à juste titre que ce titre va lui offrir les portes de la gloire, John forme un groupe afin de promouvoir la chanson. Le premier album du groupe, album éponyme, est enregistré en quelques semaines. Il sort en janvier 1984. Bon Jovi tourne dans les clubs avant de rejoindre Scorpion, pour qui il ouvre en mars à octobre 1984. Un album de ses premières années aînées, The Power Station Years, est sorti en 1999. La première apparition de Bon Jovi dans une quelconque production musicale a été dans l'album de Noël de Star Wars, Christmas in the Stars. Il était le chanteur principal de la chanson « We Wish You a Merry Christmas ». John Bon Jovi a également enregistré deux albums en solo, « Blaze of Glory » en 1990. Pour cet album, John Bon Jovi a embauché de nombreuses personnalités pour jouer. Le guitariste Jeff Beck, Elton John ou bien Little Richard. L'album est sorti à une période où la presse annonçait la fin de Bon Jovi, suite au départ du guitariste Richie Sambora. Mais il s'agissait uniquement de rumeurs. Le single Blaze of Glory a été numéro 1 aux États-Unis, mais de l'aveu, même du chanteur, il n'y avait personne avec qui communiquer cette joie, comme cela pouvait se faire au sein de Bon Jovi. L'album s'est vendu à 2 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis, pour un total de 5 millions dans le monde entier. Destination Anywhere en 97. C'est avec le troisième album Slippery When Wet que le groupe se propulsera au rang de superstar partout dans le monde, avec des succès tels que You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer et Wanted Dead or Alive. En 2004, lui et son groupe ont reçu le prix du mérite aux American Music Awards pour l'ensemble de leur carrière. En 2005, lui et son groupe ont reçu The Diamond Awards aux World Music Awards pour avoir vendu plus de 100 millions d'albums. Et en 2010, a reçu avec son groupe le MTV Award d'honneur pour leurs 25 ans de carrière en étant toujours présent. Je vous remercie et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Vie d'artiste. 5, 4, 3, 2, 1, 0.